Un noir, c'est un mort, c'est un noir. Voilà que je parle encore d'un fait caché dans l'histoire. Faut savoir que l'Europe devrait dire gloire aux morts. Leur gloire se voit encore sur le drapeau corse. Drapeau corse, gloire aux morts. Voilà que je parle encore d'un fait caché dans l'histoire. Faut savoir que l'Europe devrait dire gloire aux morts. Leur gloire se voit encore sur le drapeau corse. Les morts arrivent en Europe en 711. À l'époque, celle-ci traverse un âge vraiment sombre. L'Empire romain avait été détruit par les Vandales. Le continent entier était dans un état lamentable. Les morts introduisent l'ère de la Renaissance. Ils amènent l'astrologie, les mathématiques et les sciences. Baptisent des cités immenses, éclairent les rues avec des lampes. Aménagent des trottoirs, amènent de l'eau chaude et de l'eau froide. À cette époque-là, l'hygiène était déplorable. Les gens habitaient avec les bêtes dans des granges. Ils fixent de nouvelles règles, parquent les bêtes dans des corrales. Aujourd'hui c'est normal, avant ils trouvaient ça étrange. Un noir c'est un mort c'est un noir. Voilà que je parle encore d'un fait caché dans l'histoire. Faut savoir que l'Europe devrait dire gloire aux morts. Leur gloire se voit encore sur le drapeau corse. Drapeau corse, gloire aux morts. Voilà que je parle encore d'un fait caché dans l'histoire. Faut savoir que l'Europe devrait dire gloire aux morts. Leur gloire se voit encore sur le drapeau corse. Pas de savon ni de désinfectant ni d'alcool. Ça amène des maladies telles que la rougeole et la varicelle. C'est la fin de l'Empire, les Visigoths saccagent Rome. Quand les morts prennent le contrôle, ils apportent la médecine. Ces gothiques ayant été chassés de la péninsule ibérique, pendant 700 ans les morts y habitent. Jusqu'à 1492 pour être très précis. À la fin du règne du grand roi Boabdil, c'est ainsi que les Espagnols ou bien les Ritals sont devenus plus foncés de peau que les Scandinaves. Leurs chevaliers templiers et leur maçonnerie, c'est parce qu'ils leur ont expliqué ce qu'est l'alchimie. Vérifie. Un noir c'est un mort c'est un noir. Voilà que je parle encore d'un fait caché dans l'histoire. Faut savoir que l'Europe devrait dire gloire aux morts. Leur gloire se voit encore sur le drapeau corse. Drapeau corse, gloire aux morts. Voilà que je parle encore d'un fait caché dans l'histoire. Faut savoir que l'Europe devrait dire gloire aux morts. Leur gloire se voit encore sur le drapeau corse. Drapeau corse, gloire aux morts. Gloire aux morts, drapeau corse. Les morts, on les voit aussi sur les armoiries de nombreuses européennes royal family. Sais-tu pourquoi ce château au Royaume-Uni ressemble étrangement à ce château en Éthiopie? Je crois qu'on a compris que c'est parce que les premiers châteaux en Europe, ce sont les morts qui les ont construits. Les cathédrales aussi, avant leur arrivée, le taux d'analphabétisme était vraiment élevé. Les morts ont établi des universités, un système éducatif que l'Europe a adopté. Un noir c'est un mort c'est un noir. Voilà que je parle encore d'un fait caché dans l'histoire. Faut savoir que l'Europe devrait dire gloire aux morts. Leur gloire se voit encore sur le drapeau corse. Drapeau corse, gloire aux morts. Voilà que je parle encore d'un fait caché dans l'histoire. Faut savoir que l'Europe devrait dire gloire aux morts. Leur gloire se voit encore sur le drapeau corse. Drapeau corse, gloire aux morts. Gloire aux morts, drapeau corse. Les morts, c'est eux la base du répertoire classique. Ils construisent ici les premiers conservatoires de musique.